Donc j'ai installé trois panneaux solaires photovoltaïques que j'ai récupérés d'occasion. Les vitres sont cassées, mais ils fonctionnent quand même entre 25 et 50% de leur puissance nominale, donc c'est largement suffisant. Là, j'ai mis un convertisseur 36 volts, 220 volts alternatif. On voit que la LED verte est allumée. Le problème, c'est qu'il fait pas du sinus pur, donc la pompe, elle fonctionne moins bien que si elle était alimentée en 220 par le secteur, mais c'est pas très grave, ça fonctionne quand même. Bon, je vais montrer à l'intérieur maintenant. Voilà, donc je relie sur la rallonge. Donc là, je vais brancher. Ça tourne. Pas besoin d'utiliser de batterie et d'autres choses. Bon, tant qu'il y a du soleil, ça fonctionne. Évidemment, s'il y a des nuages, bah, ça s'arrête, mais c'est pas grave. À l'instant que tout est gratuit. Donc là, ça fait déjà quelques jours que je fais tourner le montage. Et on voit que la température avant descendait à 12 degrés. Maintenant, elle descend pas en dessous de 16 degrés. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment gagné déjà. Oui, donc, on a emmagasiné déjà pas mal d'énergie. Voilà. Je vais voir jusqu'où on peut aller. Tout en sachant que le système est vraiment dans sa configuration la plus défavorable possible.